Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, parce que Bassem l'a illustré là, que la laïcité française, la France est un pays singulier. Et l'histoire de la laïcité française est une histoire extrêmement singulière. Et je pense que ça vaut le coup. On a envie d'organiser une autre rencontre, une conférence sur la laïcité, la France, une histoire de la laïcité qui est extrêmement singulière. Et vous verrez pourquoi. Parce que j'ai déjà mes idées d'inviter et ça fait du bien parce que ça reprend sur l'histoire de ce pays. Et Samuel en a touché un mot sur 1598, l'édit de Nantes. Voilà, c'est important que la génération, on le fait pour la génération prochaine. Nous, on a bien bourlingué un peu, quoi. Voilà, on fait pas mal de choses. Hein. Mais nos enfants, nos petits-enfants doivent aussi avoir de l'insouciance. L'insouciance qu'on a eue, nous, dans notre jeunesse, on l'a plus, on l'a perdue. C'est essentiel d'être insouciant aussi par moment. Parce qu'on peut faire des conneries sans avoir des risques, quoi. De courir de grands risques. Voilà, c'est important.